Depuis les Jeux, j'avais pas fait de compétition senior à 68, donc c'est un retour pour moi et ça me fait hyper plaisir de pouvoir faire ça en France et dans ma caté et en plus gagner quoi. Alors aujourd'hui j'étais exempte au premier tour, donc j'ai commencé en quart de finale. J'ai gagné mon premier match contre une Bulgare 10-0, ma demi-finale contre une Allemande 5-0 et ma finale contre Pauline du coup 2-1. Ouais c'est ça, c'est en fait on connaît pas mal la lutte de l'autre, donc c'est vrai que il y a moins d'attaques forcément. Il y a quand même beaucoup d'intensité dans les matchs, mais moins d'attaques avec des étrangères parce qu'on se connaît pas mal. Et je pense qu'il y a beaucoup de tactiques aussi qui jouent. Mais je suis contente parce que j'ai réussi à attaquer. Et c'est pas toujours le cas, donc ça me fait plaisir. Alors en fait, du coup, je suis toujours en concurrence avec Pauline. Donc on a des tournois de ranking en février pour savoir qui partira sur les championnats d'Europe au mois d'avril. Donc c'est vraiment ça pour l'instant le début de mon objectif. J'aimerais partir au championnat d'Europe au mois d'avril et faire championne d'Europe pour pouvoir être directement sélectionnée sur les championnats du monde et obtenir ma qualif pour Paris. Ouais, c'est ça, c'est une année super importante et c'est vrai que sur les Jeux de Tokyo, je m'étais qualifiée sur les tournois de qualif et c'est plus compliqué parce qu'on a moins de temps pour se préparer, etc. Alors que c'est plus confortable de se qualifier sur les championnats du monde pour essayer d'avoir du temps de préparation beaucoup plus important, donc c'est mon objectif actuel. Ce sera chez nous, ce sera à Paris et c'est vrai que moi, mon objectif, ça a toujours été d'être championne olympique. Je suis passée loin, mais sans passer loin sur Tokyo parce que un mois avant, j'avais battu la vice-championne olympique et la troisième. Mais c'est vrai que sur les Jeux, j'ai perdu au premier tour. Donc ça s'est hyper mal passé, mais c'était quand même une première expérience. Et ça m'a prouvé que j'avais le niveau d'être championne olympique parce que toutes les filles du podium, je les ai déjà battues. Je suis persuadée d'en être capable, donc c'est vraiment l'objectif pour 2024.